Bonsoir David. Je pense que ce qui me vient le plus, parce que j'ai un petit enfant, c'est un peu l'angoisse de la maman qui voudrait que son enfant grandisse bien. Ça, c'est très important pour moi. Ensuite, bah là, j'ai le challenge de deux spectacles, parce que j'écris une autre comédie. Et dans la vie de tous les jours, je dois dire que je suis une battante, mais qui peut se poser plein de questions qui peuvent me freiner de temps en temps par rapport à certains avancements qui pourraient aller plus rapides, parce que je suis rarement contente de moi, je me pose beaucoup de questions, ce qui fait que c'est peut-être bien, j'en sais rien, je pense que ça peut être bien, parce que du coup ça fait une espèce de perfectionnisme, mais qui fait que je suis pas une folle qui part comme ça, sans réfléchir. Voilà, j'ai besoin d'avoir des assises et des garde-fous. Alors, le spectacle, pour moi, c'est Si j'osais. Hein. C'est un spectacle qui parle de l'humain. En fait, mon premier métier, j'étais assistante sociale, ce qui fait que j'ai toujours été très intéressée par l'humain. Et j'aime beaucoup tous les travers de l'être humain, tout ce qui se dit pas forcément, mais qui se fait quand même, qui se fait sous cape, toutes les choses qu'on n'ose pas dire, qui font un peu honte. Donc je vais aller fouiller un petit peu tous ces domaines de l'être humain, dans le couple, dans la peur de la solitude, dans la peur de la mort, quand on n'a pas de fric, enfin, toutes ces angoisses. J'ai envie d'en rire. Voilà, c'est un peu ce qui me motive dans ce spectacle. Mais c'est aussi un peu un spectacle sexy, non? Bah sexy, parce que je le suis, ça, forcément. Sexy, bah, je pense que j'y mets toute ma féminité, oui. Puis parfois, je me dis, bon, quand je lis le texte, je fais, ouais, quand même, je dis ça. Ah ouais, quand je dis ça. Donc j'essaye d'enrober ça avec beaucoup de féminité pour que ce soit pas pris de manière. Je veux pas agresser, voilà. Je veux amener les gens à ma cause. Donc forcément, je n'abuse pas, mais juste un peu de ma séduction. Il est vrai, tu as vu. Eh bien, moi je pense que pour convaincre, je dirais si vous êtes en couple, si vous êtes seul, si vous avez un enfant, ça s'adresse à vous, ça s'adresse vraiment à vous. Si vous aimez rire de choses que l'on cache, si vous avez envie d'être pris dans une espèce de folie sur tous nos travers, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous intéresser. Vous allez bien rire avec moi. J'en suis sûre. Bande de coquins. Peut-être oui, vous montrer un petit peu bah, qu'est-ce que pourrait penser Jane Birkin de tout ceci. Donc tu sais, Jane Birkin, elle te dirait comme ça. Tu sais, Anne Bernex, elle est superbe. Elle parle très bien le français, mieux que moi. Et je vous merde. Suis un peu débile, mais j'aime bien. D'ailleurs, c'est un spectacle aussi en chanson. Oui, voilà, il y a beaucoup de parodies de chansons, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime chanter la vie. Et parodies de chansons, oui, Édith Piaf. Nous avons même Britney Spears dans une boîte de nuit complètement éméchée, ce qui ne lui est jamais arrivé. Voilà, oui, il y a beaucoup de parodies de chansons, parce que j'ai bossé le chant pendant 4 ans. Donc j'ai un peu rassemblé dans Si j'osais tout ce que j'aime. Voilà, la comédie, le chant, la folie, la folie, mais. Il y a quand même des choses que je dis qui sont pas inintéressantes. Mon acolyte, Mimi, ma petite chatte. Merci Anne Bernès. Merci beaucoup à toi.